Chaque matin, Julie se rend à l'école Michel Pont-d'Aven. Isolation, panneaux solaires, chaudière individuelle à granulés, l'école produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Ce bâtiment inspire les enfants à adopter des gestes éco-responsables. Les ateliers Robin des Watts leur apprennent notamment à réduire les consommations d'eau et d'électricité. Des gestes que Julie et sa famille pratiquent au quotidien grâce au défi « Famille à énergie positive ». Julie pratique le handball au gymnase du Chemin Vert. Le bâtiment équipé de 175 mètres carrés de panneaux solaires produit de l'électricité entièrement consommée par la piscine voisine qui économise 4000 euros par an sur sa facture. Agir pour la transition énergétique, c'est renouveler le parc d'éclairage public. Grâce au plan Lumière, adopté par la ville, 6500 anciens luminaires ont été remplacés par des LED depuis 2015. 8500 luminaires seront changés d'ici 2020. Préserver et améliorer notre quotidien passe par des gestes simples au quotidien. Caen s'engage pour le climat et la transition énergétique. Retrouvez toutes les actions menées par la ville de Caen en faveur du développement durable sur caen.fr.